Wesh l'équipe Bioko, c'est Dizo, donc aujourd'hui nouvelle vidéo. Avant ça les gars, je demanderai à tous ceux qui sont pas abonnés de vous abonner. On est à 100 des 80 000 abonnés, vraiment il y a encore quelques personnes qui s'abonnent et on les a. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est peut-être toi qui vas me faire passer des 80 000 abonnés. Je sais qu'il y a 68% des gens qui regardent mes vidéos et qui s'abonnent pas. Donc n'hésite pas à passer le pas et abonne-toi frérot, merci beaucoup. Aussi frérot, n'hésite pas à me bombarder ce compteur de like et à me dire en commentaire quelle saison tu as commencé. Donc tu me dis j'ai commencé saison 1, saison 2, bref tu t'as compris, tu me dis en commentaire quelle saison tu as commencé. Aussi frérot, n'hésite pas à me mettre dans code créateur dans la boutique, c'est super important, ça m'aide énormément. C'est DIZOSAN, donc D-I-Z-O-SAN, minuscule, majuscule, peu importe, vous faites accepter et puis voilà, vous me soutenez dans la boutique d'objets, c'est super important, ça m'aide énormément. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Du coup les gars, aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo que vous avez énormément kiffé. J'ai fait une vidéo dessus sur la saison 1, vous avez vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Du coup je la refais sur la saison 2, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont dit dans les commentaires de le faire sur la saison 2. Du coup je la fais. Du coup pour ceux qui sont nouveaux et qui arrivent sur la vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi le but. On va essayer, enfin on va jouer comme à la saison 2. Donc on va enlever le turbo build, on va enlever le changement de... Enfin on va vraiment tout faire, on va mettre des skins saison 2. On va mettre tout ce qu'il y avait dans la saison 2. Bah là, maintenant on va faire tout ça. On n'aura pas le droit de jouer avec un barrette, on n'aura pas le droit de jouer avec les armes après la saison 2. On aura le droit de jouer qu'avec les armes qui étaient dans la saison 2. Les véhicules dans la saison 2. Bah je crois il n'y avait pas de véhicule à la saison 2. Du coup pas le droit aux véhicules. Enfin bref, vous avez compris. Du coup là on est parti pour mettre un skin à la saison 2. Je pense qu'elle était là, la Terreur Fluo. Bref, je sais pas. Du coup on va mettre un skin de du pass de combat saison 2. Bah tiens, on va mettre le chevalier noir. Et hop, pass combat saison 2. On met pas de bouclier. Et on met la petite Hachcalibur. Hop, voilà, comme ça on est comme à la saison 2. Du coup, dans les paramètres, ce que je dois faire, c'est que je dois enlever le turbo build et le changement de matériaux. Hop, construction turbo enlevé et changement de matériaux auto enlevé, appliqué, voilà. Du coup c'est parti les gars, on va jouer comme à la saison 2, sans turbo build, sans changement de matériaux, avec les skins de la saison 2. J'aurai pas le droit bien évidemment d'utiliser les armes du style barrette, la nouvelle arme à coup par coup, enfin que des trucs comme ça. J'aurai pas le droit d'utiliser la gourde du brave, donc si je suis à 1 HP j'ai pas le droit d'utiliser la gourde du brave. J'aurai le droit à tout ce qui était là de la saison 2. Les véhicules aussi j'ai pas le droit, les geysers j'ai pas le droit. Ça par contre j'ai pas fait exprès dans l'ancienne vidéo, j'ai utilisé le geyser, là j'aurai pas le droit, je le sais. Les canons j'ai pas le droit, enfin bref vous avez compris. Du coup aujourd'hui, on est parti pour essayer de faire un top 1 minimum 10 kills. Parce que les gars, vraiment, c'est ultra dur de jouer sans le construction turbo. D'ailleurs, je vous le dis, les gars, je vous lance au défi de jouer sans la construction turbo. Et n'hésitez pas à venir me le dire sur Twitter si vous avez réussi à jouer sans la construction turbo, oui ou non. Du coup, c'est parti, les gars, on va se faire un spawn. Salty Spring, je vais bien vous montrer que construction turbo et tout est désactivé. Donc construction turbo non et changement de matériaux non. Du coup on va à Salty Spring en espérant avoir de la chance. Mais vraiment les gars, sérieusement, c'est un truc de dingue comment construction turbo c'est difficile de jouer sans. En fait quand t'essayes de build assez vite, ça bug. On sait pas pourquoi ça bug, il y a des coups de latence et tout, c'est trop dur. Aussi faut que je pense, par contre ça c'est vrai, faut que je pense à pas utiliser les armes au dessus de la saison 2. Faut vraiment que bah j'y pense, parce que des fois sous coup de pression on prend un spadouze et boum. Mais faut vraiment que j'y pense à pas l'utiliser. Ok, j'ai un coffre, une arme que je peux utiliser. Les doubles ils étaient pas là. Si ils étaient là. Ils étaient. Non ils étaient pas là les doubles. Ah oh, je sais plus, vas-y bah, je la jette. Parce que je sais plus du coup. On se met les mini pods. Une arme s'il vous plaît que je peux utiliser. Une AR. Allez une AR. Une petite AR. Ah oh, je peux pas utiliser. Ah oh, ça va être rageant, je le sens ce défi. Je peux pas. Je peux pas utiliser. Je peux rien faire les gars. Ok là une PM. Ah non c'est une AK, j'ai pas le droit de la prendre, d'accord. Oh, mais j'ai le droit de rien prendre. Mais je vais me faire chier dessus moi s'il y a un gars qui. Ah oh, ok je peux. Le pompe chasseur je peux. Nice. Let's go. On se loot. L'AK je peux pas prendre malheureusement. Du coup les gars, je vous montre sans construction turbo, ça donne ça. Donc je clique une seule fois et après je peux plus construire. Faut tout le temps que je clique en fait. C'est ça qui est dur dans ce défi. J'ai mis un moins 38. Non! Ok, il est mort. Ok, on a réussi à le tuer. Là-bas, ça fight. Faut que je clique tout le temps, en fait. Ok, on a réussi à le tuer, le gars. Ok, on a une PM. Ok, on a un pompe, une PM. Du coup, on peut s'en sortir. Bah, j'ai pas construction turbo. Et c'est ultra galère. C'est un truc de fou, les gars. Vraiment, je vous mets au défi de jouer sans la construction turbo. Tu dégages! À moi. Ok, l'air bleu qui est prise. Là on est assez bien. On est vraiment très très bien même. Tac. Là on est bien. Air bleu. On a un pompe chasseur. On a une PM bleue. On est assez bien. Ok là. Ok, bah il bougeait pas. Du coup on a un kill facile. On a un free kill. Il bougeait pas. Il était en train de se loot. Oh, il y a un gars derrière lui. Oh, il s'est directement box, hein. C'est un truc de fou. Moi, les gars, je suis en construction, pas turbo, donc arrêtez, s'il vous plaît. Ok, lui, là-bas, je l'ai mis en 51. Derrière moi, j'ai encore des gens. Ok, on n'est pas très bien là, mais...
Je suis mort. Oh putain, ils ont pété en dessous. Je suis dégoûté, mais non. Vas-y, c'est pas grave, on va faire une deuxième partie. Let's go. Bon, là, on n'a pas eu trop de chance. Il y a le deuxième gars que je fightais. Enfin, on était trois. Et le deuxième gars, il a cassé en dessous. Du coup, je suis tombé. Mais je sais pas si vous avez remarqué comment c'est dur de jouer sans la construction turbo. Je suis obligé de cliquer à chaque fois. Ma souris, elle est en train de souffrir, là. Je suis tout le temps obligé de cliquer. Je sais pas si vous avez remarqué, malgré que je clique tout le temps. Genre, les construits, des fois, ils veulent pas se poser et tout. Sans la construction turbo, c'est impossible de jouer. Un dusty dépôt. Là-bas, c'est assez safe. On peut quand même bien se loot. Et après, on peut rush les kills. C'est ça qui est cool. Du coup, on va faire un petit dusty. On va bien se loot. Et de temps en temps, il y a quand même beaucoup de gens qui spawnent là-bas. Du coup, on peut se mettre bien. En priorité, le rose aurait été blindé à mort. Si on m'aurait fait que me backstab sans la construction turbo, j'aurais pas pu, malheureusement. Ça me limite à beaucoup de choses quand même sans la construction turbo. Du coup, comme j'avais dit, il y a quand même beaucoup de gens. Là, il y a quoi? C'est une AK, je peux pas prendre. Là, je peux pas prendre. Je peux rien prendre. Ok, ça, je peux prendre. On va pas essayer de le laisser se loot. Faut aller le tuer directement. Il y a un gars. Hein. Ok, il est là. Ok, tu dégages. On a le droit à la PM. On prend les bandages. On se met bien. Oh, j'ai galéré à mort sur ce fight là. Il y avait une grosse potion là. J'avais même pas vu. Je suis passé par là en plus. J'ai galéré à mort sur ce fight là, mais j'avais pas de build et tout. Sur le parking, il y a une deuxième grosse pot. Du coup, on va se la mettre aussi. Et on va rush les gens. Tac. Oh, il y a un gars là. Pas trop que je fasse le ouf. Ok, il y a quelques balles qui est passé. 26. Ok, tu dégages. C'est à moi ici, gros. Ah non, on peut pas prendre le barrette, les gars. Man. On peut pas prendre le barrette, je suis dégoûté. Tant pis, du coup, ça fait 2 kills. Là, on est bien. On va chercher le coffre qui est au-dessus. A few moments later. Putain, la construction turbo. Non! Putain, c'est... Ah, mais ça bug, ce truc de merde! Putain, heureusement que l'édite allait passer, hein! J'ai mis 3 ans à la faire, l'édite. Ok, du coup, on a trouvé un gars au bout de 30 ans. Il était pas géniaux, mais bon. Heureusement, parce que moi aussi, j'ai pué la merde. Dégage! Wouh! Allez, let's go, les gars! Putain, j'ai pas le droit de prendre le spadouze et tout. Ok! Let's go top 1, les gars! Let's fucking go, là! On est bien! On est vachement bien! On a 4 kills! Il reste encore 6 personnes! Donc, on peut quand même faire le top 1 6 kills, comme j'avais dit! Ça serait cool de le faire, d'ailleurs! Les gars, je viens d'y penser, j'ai tué le gars! Enfin, je l'ai tué! Elle a fait quoi? 10 de dégâts, environ! Elle a fait seulement environ 10 de dégâts! Donc, en vrai, c'est pas grave! Mais j'ai utilisé le piège empoisonné, je m'excuse! Mais elle a fait seulement 10 de dégâts! Donc, en vrai, j'ai pas triché, on va dire! Je l'ai entendu, il vient d'arriver! Regardez, vous l'entendez? Ok. Fais une edit. Ouais, je suis fou de ma gueule, les gars, non? Ok, tu dégages, gros. C'est mon territoire. 5 kills, il reste encore 4 gars, allez let's go les gars. Let's go. Pour l'instant on a respecté tout durant toute la game, sauf à partir du moment où j'ai utilisé le piège empoisonné. Mais je m'excuse encore une fois. Je m'excuse encore une fois les gars d'avoir utilisé le piège empoisonné. Il a fait que 10 de dégâts, donc en vrai c'est pas trop grave. Ok, on va aller dans la zone. Oh, y'a un gars là. Waouh. C'est trop dur là. Ils sont tous sur moi, gros. Je suis au milieu de tout le monde. On va essayer d'aller tuer lui. Ah ouais, mais lui, gros, ça fait une demi-heure, il veut ma bite. Je vous jure, ça fait une heure, il veut ma bite. Il a pris la zone directement. Et les gens, pour faire ça, aller en arène, sérieusement. C'est pas une couille, hein, pour faire ça, aller en arène.
S'il est pas terrible. Je suis en train de build fight en construction, pas turbo. Je peux pas, les gars. Sans construction turbo, c'est impossible, je vous le jure. Lui, il est mort. Je sais pas par qui. C'est galère à mort. Hein. Allez gros. J'ai pas le droit de prendre la bulle. Laser, laser. Vas-y on laser, faut laser. Faut le laser. Non, j'ai pas envie de partir en build fight, s'il te plaît. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Putain, c'est trop dur. Je suis obligé de cliquer comme un dingue. Oui. Let's go. Putain, regardez les gars, j'appuie une seule fois, ça veut plus construire. Regardez. Les gars, on a fait top 1 sans construction turbo. On a fait top 1 sans construction turbo. Enfin, c'est un truc de fou. En plus, j'avais dit que je voulais faire top 1 6 kills. On a fait 6 kills. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Du coup, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Dizo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne après-midi ou bonne soirée. Je sais pas quand vous allez regarder la vidéo. Du coup, bon après-midi, bonne soirée. C'était Dizo. Ciao, ciao. Peace.